vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes fin d'année et que vous avez bien mangé. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur le thème pâte feuilletée et la galette de roi. Donc, c'est parti pour la vidéo. Pour faire la galette de roi, donc tout d'abord, je vais préparer la pâte feuilletée. Donc, j'ai besoin de 200 g de beurre que j'ai coupé en morceaux et je l'ai congelé. 250 g farine de blé, je l'ai mis refroidir dans le frigo. 120 g eau, j'ai mis aussi refroidir. Et 5 g de sel. Donc, du coup, je verse la farine. g de sel. Et 200 g de beurre. Et je fais tourner la machine. De l'eau. Donc, il faut pas que la pâte soit trop mélangée, du coup, je vais enlever. Ça fait longtemps que j'essaye de faire la pâte feuilletée et ben, j'ai jamais réussi. Hier soir, je suis tombée sur la chaîne YouTube Abdelkarine Pâtissier. Quand j'ai vu sa recette, me donne tout de suite envie de tester. Et ben franchement, ça marche trop trop bien. Merci beaucoup Karim pour la recette. J'essaie de rassembler la farine et le beurre pour former une boule. Maintenant, j'essaye d'étaler pour fabriquer une pâte feuilletée. Maintenant, je vais mettre un petit peu de farine, c'est pour éviter que ça colle. Maintenant, ma pâte feuilletée est prête. Je laisse reposer quelques minutes dans le frigo. Et en attendant, je prépare la frangipane.
Pour la farce, j'ai besoin de 100 g de sucre, 100 g poudre d'amande, 100 g de beurre, 2 œufs, 50 g de farine de blé, 10 g de rhum, un sachet de sucre vanille. Donc voilà, c'est parti. Pour faire de pâte feuilletée, je la coupe en deux. Et en attendant, je mets la pâte feuilletée dans le frigo pour éviter que le beurre fonde. Maintenant, je mets la frangipane au milieu de la pâte feuilletée. Puis, je mets la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Et j'essaye de bien coller les deux pâtes pour éviter que la frangipane s'échappe. Pour faire la dorure, j'utilise un œuf. Maintenant, direction au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà, c'est cuit! Je suis tellement contente de savoir faire la pâte feuilletée. Du coup, j'ai refait troisième fois la recette. Pour la deuxième galette de roi, j'ai coupé la pâte en deux pour faire des pains au chocolat. Et bah, ça fonctionne. Je suis super contente là. Thank you.
Franchement, bravo. Merci. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire galette de roi et du coup, voilà mon premier galette de roi fait maison. Bah, le résultat, il est pas mal, je pense. Mais en fait, j'ai pas trop réussi à faire feuilleter en fait. Là, mais il y a quand même un petit peu feuilleté. Voilà. Donc, je vais encore tester encore une fois parce que ceci, je fais avec du beurre, l'huile végétale. Et bah, le résultat, ça fait ça. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que moi, j'adore lire vos messages. Je vous fais des gros bisous. Reste autour des assiettes que j'ai coupées tout à l'heure. Bah, regardez, c'est super, super. Je vais goûter. Regardez comme c'est bien feuilleté. Je suis super contente. C'est top, c'est top, c'est trop bon. C'est trop bon, ça. Oh. Ouais. Et du Faudra que fromage, j'essaye. avec du Deuxième fromage fois. à raclette ou... Troisième fois. Trop bon. Je suis trop contente. Ou des pains au chocolat ou des croissants. Il faut faire un pâte levée, je crois. Je sais pas. Il faudra essayer. Non, c'est la pâte levée. J'essaierai. On dirait que tu as feuilleté 20 fois. 1000 fois. Non, j'ai fait que 5 tournées. On a presque fini.